Je vous le disais, 107 km de voies navigables entre Compiègne dans l'Oise et Aubin-Chalaubac dans le Nord, 60 ponts, 7 écluses, 4 ports intérieurs. Premier convoi fluviaux normalement pour 2028. Mais voilà, il faut recruter. Et aujourd'hui, c'est sûr, le canal Seine-Nord Europe, c'est une réalité. On retrouve bien sûr Anne-Charlotte Duvivier. Vous êtes à Amiens avec le directeur régional de Pôle emploi. Et donc là, je pense qu'il y a pas mal de jobs. Oui, mon cher Guillaume, je suis ici à Mégacité à Amiens où se déroule le CCI Business Event et Job Event pour trouver un emploi. Et je suis avec Frédéric Danel. Bonjour Frédéric Danel. Bonjour. Vous êtes le directeur Pôle emploi Hauts-de-France, directeur régional. Et on parle ici beaucoup du canal Seine-Nord Europe depuis ce matin parce que ça y est, les recrutements ont démarré depuis un moment. On peut rappeler juste les enjeux en termes d'emploi de ce canal Seine-Nord Europe? Les enjeux, c'est effectivement énorme, hein, puisque c'est un chantier historique. Ce sont plus de 6000 personnes qui sont attendues pour la construction du canal. Donc on vise là des métiers qui vont porter sur les travaux publics, essentiellement la construction. Et globalement, avec les métiers qui vont permettre, pendant les travaux, que les personnes qui y travaillent puissent vivre pendant le chantier, c'est 10 000 à 11 000 emplois qui seront créés donc, d'ici 2030, entre au moment où on se parle, c'est-à-dire vraiment maintenant, et 2030. Voilà le volume d'emplois qui est attendu. Alors, on le sait peu, mais il y a déjà des gens qui travaillent sur ce canal. Combien de personnes? Oui, au moment où nous parlons, il y a 400 personnes qui travaillent déjà sur le canal, essentiellement des activités d'études, de recherche et de services, puisqu'on prépare en fait les travaux qui vont démarrer, les travaux du secteur 1 qui vont démarrer vraiment là de façon très imminente. Alors, parlons de ce canal emploi. C'est comme ça, vous êtes le chef de file de Canal Emploi, c'est dans l'organisation finalement autour du canal Seine-Nord et de la société du canal Seine-Nord Europe. Finalement, vous allez mettre en relation finalement les entreprises qui ont été retenues dans les marchés publics avec les habitants de notre territoire qui cherchent un travail, c'est bien cela? Exactement, c'est tout à fait ça. En fait, Canal Emploi, donc il y a également Canal Formation, Canal Insertion, il y a 5 dimensions qui se parlent au quotidien, des équipes qui sont mobilisées pour accompagner les entreprises et les demandeurs d'emploi de la région, j'insiste, puisque les marchés sont closés pour vraiment favoriser les hommes et les femmes des Hauts-de-France dans ces métiers. Quand on parle d'emploi, 400 qui aujourd'hui sont complètement mobilisés sur le canal, mais il y a 9, le premier marché a été attribué du secteur 1, donc quand je dis ça démarre et les travaux vont démarrer, il y a 9 entreprises que j'ai rencontrées avant-hier avec lesquelles nous échangeons actuellement sur le nombre de postes, à quel moment ils vont recruter, sur quel métier, avec quelles qualifications. Et justement, on peut espérer combien d'emplois sur ce premier secteur? Alors, c'est compliqué de l'évaluer parce que ce sont aux entreprises de nous le dire, mais en tout cas précisément sur le marché. Sur le secteur 1, on sait ce premier secteur, il est prévu 500 à 600 emplois. C'est le secteur 2 qui en générera à peu près 1500 supplémentaires. Mais ce premier secteur, c'est déjà plusieurs centaines d'emplois qui vont être créés. Et ça rapidement, puisque ça démarre en 2023. Donc c'est très concret. C'est très concret. Il me semble qu'il y a 29 métiers en tout pour ce canal Seine-Nord Europe. Juste quels sont-ils ces métiers ? On va trouver tous les métiers des travaux publics et du bâtiment, donc de conducteurs de travaux, tous les métiers de la construction. Il y en a 29, donc je ne vais pas vous les lister. Par contre, ce que je peux faire, c'est inviter les téléspectateurs, les personnes qui nous regardent, d'aller sur le site donc du canal Seine-Nord qui vient d'être fait, qui est vraiment très très bien fait. Vous y trouvez bien sûr les 29 métiers en question, très détaillés avec les formations qui peuvent être financées, puisque on ne l'a pas dit, mais nous préparons les publics. Vous avez toutes les informations et vous pouvez également candidater. Et pour ça, c'est même encore plus simple que d'aller sur le site. Allez-y malgré tout. Mais vous pouvez aller directement sur une adresse donc, qui est canal-emploi@pôle-emploi.fr. Voilà, on envoie ces candidatures d'ores et déjà et on se renseigne sur le site internet pour voir toutes les annonces et tous ces recrutements qui démarrent. Juste un dernier mot, vous l'avez dit, pour relever le défi de l'emploi pour le canal Seine-Nord Europe, évidemment la formation c'est
un défi à relever, c'est extrêmement important. Oui, nous formons donc à peu près 100 000 personnes dans la région tous les ans. Quand je dis personnes, je parle de demandeurs d'emploi, avec donc chef de file la région qui finance la quasi-totalité de ces formations. On ajuste en permanence, chaque mois il y a des réunions qui nous permettent dans chaque territoire des Hauts-de-France d'ajuster l'offre de formation aux besoins et aux besoins de formation. Pour le canal, c'est ce qu'on fait. On le fait depuis 2 ans. Des personnes ont été formées. Certaines sont en cours de formation. Ce sont des milliers de personnes qui sont formées aujourd'hui donc au métier du bâtiment pour être prêtes le jour J. Et le gros enjeu pour Canal Emploi, c'est bien sûr de donner envie, de recruter, de permettre ces recrutements, de former. Mais la plus grande difficulté, c'est de faire en sorte que la bonne compétence soit au bon endroit, au bon moment. Et donc là, cocher les 3 cases, je peux vous dire que pour Canal Emploi et l'ensemble des acteurs qui sont mobilisés, c'est un vrai challenge. Et ben voilà, vous savez tout, une adresse canal-emploi@pole-emploi.fr pour déjà envoyer vos candidatures. Merci beaucoup Frédéric Danel. Et voilà Guillaume, le canal Seine-Nord Europe, c'est bel et bien parti et ça recrute. Effectivement, merci Anne-Charlotte, le canal Seine-Nord qui recrute.